fameux backtracking plus tard. Je reviens, je vais faire un sandwich, je vais pas te parler à un capitaine. Pourquoi? Les terres du temple. Je trouve que l'environnement fait vraiment plus alien que dans le premier. Le premier, je trouve que c'était vraiment pas tant le cas. Ça faisait plus comme planète, perdue quelque part dans la vie. Mais celui-là, j'ai vraiment plus l'impression qu'on est genre sur une planète de quelqu'un d'autre. C'est qu'on n'est pas supposé être là. On est des méchants, qu'on est en train de se promener, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. J'ai l'impression que c'est ça. On va avoir la trilogie Remaster avant le 4. Mais le pire, c'est que ça s'enligne pour ça. Hein. Puis moi, je suis prêt à dire que je vais avoir fini le 2. Et le Remaster du 2 va être annoncé pas longtemps après que j'aille fini. C'est sûr et certain que c'est ça. Hein. Système de contrôle actif très industriel en marche. Donc, encore une fois, on continue le petit fonctionnement. Mais il a bloqué, par contre. Ah, on va pouvoir tirer dessus. Soit tirer dessus, soit missile, par contre. Hein. Pourrais-tu tirer d'en haut ici? Ça ne change rien. Mais là, on peut monter là-dessus pour aller un petit peu plus loin par là. Je vais essayer de voir un petit peu par ici, si on peut. Là, on n'a pas le double son. Hein. C'est vraiment plus ça. On a tout perdu. On est rendu homeless dans nos mouvements. Je peux passer ici, mais y a-t-il quelque chose de spécial? Voilà, deux. Hein. J'ai l'impression quand même qu'on peut sauter ici. Pour aller ici? Non, on peut pas. On va suivre le chemin qu'on est supposé. Directement par ce petit chemin. Oup! Oup! Qu'est-ce qu'il y a de bon par ici, par contre? Ok. Il a l'air d'avoir quand même un petit chemin qui est en haut, mais on va continuer par le bas. Protocole de sécurité du système de contrôle des portes activées et accès autorisé. Certaines portes resteront fermées pour empêcher de nouvelles incursions dans des forces hostiles. Ok, donc vraiment, c'est comme on ferme un emplacement pour en ouvrir un autre. Okay. Comment elle fait Samus sans armure pour survivre sous cette forme de boule? Écoute, c'est encore une explication assez spéciale de comment que Samus fait pour tomber dans une boule comme ça. Je sais vraiment pas comment. C'est probablement de la magie. C'est rendu où qu'on est rendu, il y a probablement quelque chose de spécial. Elle est très souple. Je pense que même très souple, c'est même pas assez fort pour dire comment il est capable de rentrer dans une boule comme si de rien n'était. Hein. Salut Matt Bob, salut Hot God, comment ça va? Système de communication activé, activation du signal détresse automatisé, automatisation des performances de l'émetteur. On va appeler nos petits amis. Eh oh, on est perdu, j'ai besoin d'aide. Salut ma Bob, même pas Matt Bob, my Bob. Tu peux l'appeler Samus tout court sans armure, c'est pas son nom de famille. Le fameux Samus sans armure. La transmission a échoué en raison des interférences atmosphériques. Fait qu'on n'est pas capable d'appeler nos petits amis malheureusement. Et là c'est quand même bien qu'on ait des espèces de possession d'ennemis ou du moins des alliés qui sont devenus des ennemis. Donc, c'est quand même assez intéressant de tout ça. Ça va quand même changer un petit peu le bestiaire. On est genre habitué de voir des aliens tout le temps, mais là, il va y avoir quand même des ennemis comme moi. Ah, des ennemis comme moi. Vous comprenez ce que je veux dire en parlant. Mais comment ça va, Hot God? As-tu passé un bon lundi, peut-être de vacances? Ou est-ce que tu travaillais aujourd'hui? Impossible d'analyser la cible. Des interférences gênent le fonctionnement du viseur d'analyse. Analysez l'objet de près pour éviter les interférences. Je suis assez proche ici. Il faut vraiment que je sois de l'autre côté. Ça, je peux pas ouvrir la porte de l'autre côté. Ben relax. Je suis très content de savoir que ça allait bien relax. C'est par ici que je peux passer. On peut le réanalyser. Au cours des faillances du système de contrôle, la porte peut fonctionner d'une façon irrégulière. Okay, fait que là, elle va s'ouvrir, elle va se fermer de temps en temps, je te gage. Entrée relative aux écrits acquis. Cette entrée a été téléchargée par votre banque de données, ce que je n'avais pas scanné. Corps des Marines de la Fédération Galactique, journal de spécialistes M en 7. Information transférée vers la banque de données. Okay.
C'est ridicule, je tire mieux que la moitié des gars qui sont ici. C'est moi qui ont affecté à la surveillance. Je ne suis pas porté volontaire pour regarder un écran holographique. C'est pas Samus Aran. Et ça arriverait. Elle, on lui on demanderait d'aller faire le ménage là-bas. Pas d'appuyer sur des boutons d'envoyer des rapports. Le gars, il était juste là, payé à genre, je paye sur un bouton et je rouvre des portes. Je ne fais rien d'autre. Je ne sers à rien. Cool ta vie quand même. J'ai acheté une guitare électrique, je vais jouer à Rocksmith. Nice! Ça, c'est très cool parce que Rocksmith, si je me trompe pas, c'est genre, tu mets vraiment une vraie guitare électrique pour jouer. Hein. C'est quand même vraiment nice. C'est pas comme, mettons, Rock Band ou Guitar Hero que tu joues avec une fausse guitare. À jouer à un jeu, Rocksmith, c'est vraiment que tu joues de la guitare. T'sais. C'est vraiment nice, ça. Ah, cool quand même. Est-ce que t'as déjà joué de la guitare, Hot God? Probablement. Ben, il a échoué le nul. Pas assez payé, c'est pour ça. C'est ça le problème. Quand t'es pas assez payé, tu réussis pas à faire ton travail comme il se doit. Hein. Il y a beaucoup de stuff produit par la communauté. Oui, il y a même certains trucs que j'avais vu aussi de Gaminol, qui est Johnny Atma, qui est un YouTuber que je suis beaucoup. Il fait des packs en même temps, de plus en plus, pour voir certaines musiques. Rapport final, corps expéditeur, ok. Au cours d'une mission de patrouille dans le système de Dasha, nous avons engagé une frégate non identifiée des pirates de l'espace. Nous avons sérieusement touché le vaisseau ennemi qui s'est écrasé sur la planète Terre. Et... nous avons atterri pour chercher des survivants, mais notre vaisseau a été endommagé par une tempête. Merci Alec pour la tag de séjour, bien apprécié. J'aime la petite animation qui se sont déplacées. Hein. Fait qu'en gros, ils ont atterri sur la planète. Pour aller chercher un petit peu. La forte activité magnétique pendant la tempête, j'ai pas eu le temps de régler le reste. Deux unités ont été formées. Ok, sûrement une unité d'exploration. Chaque unité faisait un excellent travail, aucun problème. Ok. Jusqu'à ce qu'ils arrivent. Qui? Qui est arrivé tout d'un coup? Cette musique classique, hein, quand même. I need backup! Et fait que c'est genre les espèces d'aliens qui sont arrivés. Je suis prêt à dire que c'est les personnes qui sont là, la fédération. C'est comme des Stormtroopers, ça sait pas tirer. Hein. Ça sait pas comment tirer. Ok, on a quand même beaucoup. Hein. Ça leur tentait pas juste de retourner dans leur vaisseau quand même? Genre, ils ont pas eu la brillante idée de genre rentrer dans le vaisseau? Parce que, on les pardonne, hein, ils sont pas assez bien payés, on l'a dit tantôt. Hein. Samus sauve jamais les planètes, elle les détruit tout le temps. Salut Slayer, c'est tellement vrai en plus. Samus, c'est juste genre, je vais tout faire péter, j'en ai rien à chier. Moi, faire péter les affaires... c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est comme, il y a une araignée chez toi. Un, tu la tues. Deux, tu brûles ta maison. Tu sais, tous les choix sont bons, hein, rendus là. Tu sais. Après, bon, t'as plus de maison, mais ton problème est rayé. Y a plus d'araignée. T'sais. Porte en position ouverte. Accès au terminal des cartes autorisées. Tu es rentré? Merci. Je vais télécharger la carte sur LimeWire. Attention, c'est peut-être un virus. Je télécharge de la RAM. Vous venez de télécharger de la RAM. Votre ordinateur est plus puissant. Ouais. Fait qu'on a la carte, ok. Des portes jaunes, des portes rouges, des portes bleues et des portes bleues. Les portes bleues, on est capable. Les portes jaunes, on n'est pas capable. Les portes rouges, on n'est pas capable. Là, on s'en est de par là en premier. Ok. La map va quand même, à un moment donné, devenir complexe. C'est une grosse map qu'on voit ici, hein? Mais la map est toujours incontrôlable. Hein. Je disais tantôt que c'était pas si pire que ça, mais finalement, je retire mes paroles. C'est quand même complexe d'essayer de se chercher là-dedans. Il y a une place ici que je suis même pas allé. Là, ici. Il y a une place ici que je suis pas allé non plus. J'ai déjà envie de retourner sur mes pas. Hein. J'avais si hâte de finir de travailler et t'écouter. Salut, Rayquan! Comment ça va?
Je vais pas poser la question si t'as déjà joué au jeu parce que tu vas probablement répondre oui, j'ai déjà joué au jeu, j'en ai fait 800 fois, c'était très plaisant. Comment ça va, Rickwan? J'espère que t'as passé quand même une belle journée. Je file comme un enfant à Noël. Nice. Pas de spoiler, hein, bien sûr. Hein. Spoiler free ici. Les spoilers, c'est non. Peux-tu retraverser ici? Je peux plus retraverser ici. Un colis. Qu'est-ce que je vais refaire mon chemin de l'autre côté? Hein? Le jeu a fait non, Madbum, tu ne peux plus retraverser de l'autre côté. Tout le monde me dit les Metroid, c'est du backtracking. Ouais, j'essaie de faire du backtracking. Première chose qui arrive, je peux pas en faire. Inquiète-toi pas, je suis trop lâche pour spoiler, voire même aider le monde. De toute façon, je l'ai dit, si jamais j'ai besoin d'aide, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question, je vais dire hey, oh, j'ai besoin d'aide. Nice haircut. Merci, je me suis même pas fait couper les cheveux en plus. C'est très gentil. C'est au naturel. Impossible d'actionner la commande d'ouverture de porte, langage alien inconnu. Mise à jour du module de traduction nécessaire pour actionner la commande d'ouverture de porte. Encore une fois, je ne parle pas l'alien. Help me! Help me! Analyse terminée, l'objet semble être une pièce endommagée d'un ouvrage d'art alimenté en énergie. Projecteur holographique déconnecté, les dommages semblent irréversibles, réparation improbable. Ok, je ne peux pas réparer ça. Ça, c'est un gros verso! Vaisseau spatial, le FG tire. FG. Le FG tire. FG tire. Patrouilleur de classe AUR. Est-ce que vous êtes vraiment en train de dire que l'enfant à William et Shiro est dans ce jeu-là et c'est le patrouilleur de classe AUR? C'est une référence très bien placée quelque part, mais. C'est AUR. Les gens qui comprennent, comprennent. Les gens qui comprennent pas, pas besoin de comprendre. Utilisé pour le transport de troupes par le corps des marines de la Fédération Galactique, le vaisseau a subi de lourds dégâts dus à des attaques ennemies. Oui, mais je l'ai dit tantôt, il y avait juste besoin de réfugier à l'intérieur, puis ça aurait bien été, t'sais. Faut que tu fasses du backtracking sur l'idée que tu fasses du backtracking. J'aime ça. Le patrouilleur des classes AU est un bâtiment de guerre et les dernières générations conçues pour assurer un rôle de police et de défense des systèmes planétaires. Ce vaisseau, le TIR, a subi de lourds dégâts. L'équipage a apparemment démonté les pièces du vaisseau pour s'en servir comme système de défense. Il est beau, votre vaisseau, il a une belle allure. Une belle allure! T'es sûr en train de dire qu'il faut vraiment que j'analyse toutes les troupes par terre aussi? Pas le journal spécialiste F-Triplette? Pas F-Triplette? Sarge dit que ses splinters lui rappellent un peu un insecte tueur qu'il a vu sur Devon 3 autrefois. Tout ce que je sais, c'est que ces damnées créatures sont rapides et qu'il faut pas... Et qu'il faut pas mal de balles pour les arrêter. Bientôt, nous devons y aller à la baïonnette. Les munitions commencent à se faire rares, même pour Broad. Et c'est le fantassin le plus à bord de ces munitions que je connaisse. Là, la question que je vous pose, est-ce que j'ai vraiment besoin d'analyser et de lire toutes les personnes? Est-ce que je peux juste analyser la personne et faire « Je m'en fous de ton histoire » Je crois pas non. On va en analyser une coupe, mais je vais quand même pas tout analyser parce qu'à un moment donné... Ça suffit. Donner une mémoire endommagée. Impossible de rétablir l'accès. Rechercher les données enregistrées par le système d'armure du soldat. Qu'est-ce que c'est ici? Ceci est une caisse de pièces d'artillerie de la Fédération Galactique. Les données tactiques indiquent que la présence d'un système d'armement personnel à l'intérieur de l'unité de stockage. Utilisation d'armes puissantes recommandée pour ouvrir la caisse. Je suis assez fort si je fais juste ça, right? Un peu de respect pour les collègues, mais oui, je les laisse morts. Tu sais, à un moment donné, vous me dites un peu de respect pour les collègues, je les laisse morts. C'est quoi le problème? Je les laisse en paix. Je les laisse rest in peace. C'est ça, qu'est-ce qu'ils disent? Repose en paix. Tu vois, je les laisse reposer en paix. Je les dérange pas plus. Fait que là, maintenant, je suis capable de tirer des missiles. T'es-tu en train de me dire que genre... Wait a minute. Vous, là, qui vous téléportez out of random, là. Non. Moi, j'accepte pas le fait. Je pense qu'ils sont vraiment plus tough à tuer que tantôt, hein. Ouais, ils sont un petit peu plus longs. Je pourrais tirer les missiles pour voir si ça fait plus de dégâts, par contre. Shit. On va tester. Missile approve. Les missiles sont approve versus ses ennemis. Tu peux analyser sans lire, je crois, mais parfois, il faut analyser pour avoir l'info. Je crois que les éléments rouges sont essentiels pour progresser.
En rouge, j'en ai essentiel. Genre, tu me dis que les trucs en rouge sont importants pour. Ok. Je te fais confiance. J'ai confiance en mon capitaine. Je check ça, il faut que tu me dises que genre si je tire de même. Non, c'est vrai, il faut que j'aille un langage quelque part pour comprendre comment péter ça. Mais j'ai quand même les missiles, fait que peut-être que je peux aller péter la porte de l'autre côté. Je vais péter la porte. Et comme ça, on va peut-être être chill. Ça dépend, en rouge, c'est soit du lore, soit des éléments pour progresser. Ok. Fait que ça peut être soit des fois des choses importantes, comme des fois ça peut être de la bullshit. Ça là, pourquoi la porte s'ouvre plus? Porte de sécurité en service, système de commande désactivé, la porte doit être détruite pour avancer. L'utilisation de l'explosif de haute intensité est recommandée. Bandésium 2. Le retour. Pas le retour du Bandésium. Avec ton viseur, les éléments qui s'affichent en rouge sont essentiels, je crois. En revanche, s'ils s'affichent en vert, c'est quand t'es... Oui, ça j'avais compris. Tu sais, mettons exemple. C'est comme le vaisseau, je l'ai analysé, c'est chill. Fait que ça, j'ai pas besoin. Mais mettons exemple que ce robot qui est là tout seul quelque part, ben en rouge, je comprends. Fait qu'en rouge, c'est comme il y a vraiment une importance quelconque, de plus. Puis des fois ça peut être important, comme des fois ça se peut que ça soit pas important de ce que je comprends. C'est comme mettons un exemple, il y en a un qui est ici, on va quand même l'analyser. Mais quand c'est des corps de Marines, je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'avancer plus là-dedans. Je pensais qu'il y a peut-être qu'elle allait avoir quelque chose, mais non. Là, logiquement, je sais qu'il y a une porte qui est là, puis probablement que celle-là, cette porte-là que je peux rentrer à travers, I guess. Et je peux pas sauter plus haut ici. Okay. C'est une petite caisse que je peux monter dessus pour pouvoir monter plus haut. Une porte jaune. Ici, rien d'autre. Ouais. Se rentrer dans le vaisseau, et est-ce qu'on va aller voir, hein? En cas de doute, c'est toujours un bon réflexe de regarder la carte. Voici la carte. On va regarder la carte. Tu sais, je vois qu'il y a une porte qui est là, mais qui est bloquée par le T. Le T, on peut pas traverser. Le T, ce que c'est, on sait pas c'est quoi. Le T, c'est encore quelque chose. Recharge de munitions, unité de sauvegarde. Ah, il y a un truc qui est rouge qui est là, puis un truc qui est jaune qui est là. Mais on peut pas y aller tout de suite de ce que je comprends. C'est un peu T traducteur. Je me disais que c'est le truc alien, mais on peut pas y aller tout de suite. Là, j'essaie de revenir sur mes pas, mais le problème, c'est que... Je semble être bloqué quelque part. Tu sais, il y a une porte qui semble bloquée, mais il semble avoir peut-être un emplacement qu'on peut passer à côté. On va voir, hein. Je suis prêt à dire qu'il faut revenir sur nos pas, parce qu'il y avait certains trucs qu'on n'avait pas eu, fait qu'on avait eu les missiles, fait que probablement que c'est là qu'il va falloir qu'on aille. Mais c'est juste de l'autre côté de la porte que je comprends pas trop le petit emplacement qui est comme à gauche, mais qui semblait juste être disponible de l'autre. Parce que tu sais, si je check ici, là. Et mettons, si je check ici, c'est là qu'on voit qu'il y a l'emplacement qui est là, mais il est de l'autre côté de la porte. Le petit chemin. Puis là, vous me dites que logiquement, ça dit que cette porte... Porte de sécurité en service, système de commande désactivé. La porte doit être détruite pour avancer. C'est ce que je veux faire. L'utilisation d'explosifs de haute intensité est recommandée. Fait que, si vous me dites que je peux pas péter la porte qui est là en premier, si je reviens sur mes pas, il y a pas tant de choses qui nous permettent d'avancer plus loin. Ah, I guess qu'il y a quelque chose peut-être sur nos pas en arrière. Hein?
Peut-être que c'est évident et finalement je passe à côté de quelque chose qui est complètement évident. Ça se peut aussi. Hein. Et je vais voir si je pourrais cheater le jeu ici, mais semble-t-il que non. Il n'y a rien ici, on peut pas plus monter. Seul petit emplacement que peut-être qu'il y aurait quelque chose, c'est genre exactement ici. Mais je peux pas monter ici non plus. Tout comme ici, je peux pas monter non plus. Rien d'autre qui serait exactement ici. Donc on disait qu'il y était plusieurs, oui, mais là, c'est même plus une question de. Je peux même pas me rendre là. Fait que ça, c'est sûr certain que je vais pas dépenser mon missile pour ça. Ça ici, je pourrais rien faire. Et. Ah! Ah, ici! Ici. Wow, Mad Bob, Ford. Ça disait que c'était comme un truc qu'on pouvait pas péter, on pouvait rien faire. Par contre, je suis quand même curieux de quelque chose. Et ça va servir à quelque chose. Alimentation du canon d'orbe cinétique rétabli. Unité bloquée en position de tir actuelle. Fonction de tir automatique activée. Okay. Ils sont en train de me dire que genre, je vais me faire guetter jusqu'à l'autre bout. Peux-tu tirer juste un missile pour voir? Rien de spécial. Fait que t'es-tu vraiment en train de me dire que je vais me faire guetter d'un côté puis de l'autre? C'est-tu vraiment ça que t'es en train de me dire? Qu'est-ce que je fais? Parce que je voulais faire ça. Ben Chris. Ben oui. Il me fait guetter d'un côté. Il y a un petit chemin qui est ici. Passer à côté. Non. Je vais pas passer à côté comme si de rien n'était. Je te gage que genre ça, je peux pas l'ouvrir tout de suite. Ok. So long. Bye. Ça, soit de même ou soit de même. Good. Avec les trucs rouges et les missiles. On garde ça en tête. Hein. Heureusement que les Marines ont activé un canon spécial pour l'unique boule morphing de la galaxie. Ils ont pensé à tout. Ils savaient que Samus allait arriver à un moment donné et qu'elle allait régler tous les problèmes du monde. Hein. Ils le savaient. Ils le savaient depuis le début. Ils ont planifié le coup, là. Depuis des années, des millénaires, ils se sont dit, là, à un moment donné, on va avoir besoin d'une boule morphing. Hein. Salut Sinan, comment ça va? Comme tu peux voir, on est en train de jouer à Metroid Prime 2. Jamais joué. Est-ce que t'as déjà joué, toi, par contre, de ton côté? C'est la petite question que j'aime bien poser aux gens. C'est fait. C'est encore la boule morphing qu'il faut utiliser ici ou il va falloir qu'on fasse quelque chose avant? C'est ici? Oui, il y a 2 ans, je pense. Ok, quand même. As-tu fait toute la trilogie ou tu sais, comme back-à-back? Parce que moi, j'ai fait le 1, ça doit faire un an et quelques. Fait que le 2, je le fais maintenant en stream. J'avais pas mal d'autres jeux que je voulais faire avant, mais. Je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup la licence, puis juste de chercher, prendre mon temps, puis tout ça. Puis. Ça fait changement en même temps de tous les jeux que je fais. Alimentation du canon d'orbe cinétique rétabli. Unité bloquée en position de tir actuelle. Fonction de tir automatique activée. Donc, encore la même chose. Oui, j'avais fait tous les jeux de la série Metroid back-à-back quand même. En pensant que Metroid Prime 4 allait sortir quand elle allait avoir fini. Hein. C'est sûrement ça que tu t'es dit dans ta tête comme plusieurs personnes. Hein. Mad Bob, salut Dono. Mad Bob est rendu à beaucoup de noms. Hein. Mad Bob, Mad Bob, Mad Bob, Bob Matt. Je te dis, ma collection de noms là, commence à devenir insane. Hein. Non, je peux-tu scanner les ennemis? On peut scanner les ennemis. Ça vaut-tu la peine qu'on scanne les ennemis? La réponse est probablement non. Je vais pas scanner les ennemis. Pour les gens qui connaissent bien le jeu, est-ce qu'il y a une raison quelconque versus le 1 de faire vraiment le... Tu sais, le 100%, mettons. Je suis encore crampé de tantôt, mais oui, non, mais... tantôt, c'était exceptionnel comme moment. Mad Boobs, c'est vrai aussi. Un peu, puis Dread a été annoncé pendant... Ouh! T'as-tu fait Dread? Après, mettons, t'as quand même continué avec le back-to-back. Hein? Tu viens plus, Captain, par rapport au 100%? De toute façon, je l'ai dit, hein, je vise pas le 100%, je vois...
pas tant l'intérêt. Tu sais, mettons si c'est aller chercher des choses, c'est un peu moins pire, mais faire du backtracking puis juste de scanner des ennemis, je suis pas un méga fan à un moment donné de faire le tout. Ça peut valoir la peine, mais à un moment donné, je trouve que ça vient du pareil au même. Et j'ai fini juste à temps pour Dread. Ouh, très nice ça, Sylan. Très très cool. Et là, je suis juste en train de tuer des ennemis non-stop, fait que j'ai juste l'impression qu'il faut que je pète leur nid, I guess. Hein? Yep, c'est probablement ça, on va juste s'amuser à péter ça. Hein? Voilà, merci. Passer à d'autres choses, péter les nids, tout le monde est heureux. Et y avait-tu un autre nion? Ça c'est pété, ça c'est pété. Ça, est-ce que ça se pète? Ah, est-ce qu'il y en a un qui manque là? Ok, ils me sortent en haut, nice. Ok, bon, ok. Je pense que ça sert à rien que je pète les nids parce qu'ils vont sortir à l'infini quand même. Fait que c'est l'emplacement qui est là. Je peux-tu péter ça? Ça a l'air d'être fragile. Nope. Ça, je peux pas monter assez haut ici. Ça, c'est pas ça. On peut péter peut-être le nid ici, que j'ai pété tantôt, I guess. Là, ça, c'est ici, c'est le truc pour le jump, right? Les xénotechnologies, canon d'or, cinétique, tu sais, des petits objets sphériques. Oui, ça, on l'a fait tantôt. En gros, faut que je trouve l'entrée. Ce serait quelque part, logiquement, ici, si je regarde ma map. Il y a un petit chemin qui est là. Mais ça, j'ai l'impression que ça nous yeet, probablement. Je peux pas péter ça, ça change rien. J'ai pas le fait que c'est devenu sombre tout d'un coup. J'ai rien fait, ok. Il y a un trou à péter ici. Analyse structurelle terminée, la section murale est instable, une explosion pourrait fragiliser le mur. Check-moi bien exploser le mur. Damn, tu la pètes encore? Non. Ça a juste fragilisé, mais ça n'a rien fait de plus. Ok, c'est parce que je peux jumper à partir de là, sûrement. Ok. Mais ça m'aide pas plus, par contre. Ça m'aide, mais ça m'aide pas pour ça, ici. Le mur a subi de lourds dégâts dus au combat intégrité structurelle critique. Un impact violent pourrait causer son effondrement. Oui, c'est à partir de probablement ici. Et le problème, c'est que ça, c'est pas activé en ce moment. Fait que je peux pas comme traverser d'un côté comme de l'autre. Et je peux pas aller directement là-dedans pour me faire propulser de l'autre côté. Puis y'a rien d'autre. Est-ce que c'est moi qui est fou? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a quelque chose qui serait quand même disponible très près qui me permettrait d'ouvrir ça ici? Non. Faut que je mette ma Switch à genre vraiment fouiller partout. Hein. Hey, ça leur tentait genre de le cacher encore plus que ça, s'il vous plaît? Ça vous tentait genre de le mettre encore plus caché? Moi j'imagine juste le petit développeur quelque part qui fait genre hihihi, j'ai caché le truc, il était bien caché. Hein? Ok, hein. Orage de mon cachage, oui, donc c'est un peu ça. Hein. Cachette du mécanisme 1, Madbob 0. Hein? C'est rendu à ce point-là. Non, c'est correct d'avoir des cachettes, mais à un moment donné, il faut quand même pas rendre ça fou, fou, hein. Ok. C'est pas si pire, au moins en avance, hein. Je vous ai jamais rien demandé jusqu'à maintenant, hein.